Salut! Cette petite vidéo est dédiée à la pépite d'or d'un chipwrecked. Comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, il y a très peu de chances d'avoir de la pépite d'or. Parce que malheureusement, il n'y a pas de roi cochon pour pouvoir échanger des objets et récupérer énormément d'or. Alors, première façon pour récupérer de la pépite d'or, c'est tout simplement ces roches-là. Vous les connaissez sans doute déjà. Et voilà, c'est fait. De une à deux pépites. Ensuite, on a ces roches-là, un petit peu spécifiques à Shipwrecked. Elles se creusent avec une pelle et non une pioche. C'est parti. Et là, on va avoir 25% de chance de récupérer de la pépite d'or. Ensuite, on a la pêche en pleine mer. Donc vous avez un bateau, vous équipez un filet et vous partez pêcher. Vous avez pareil un faible pourcentage de gains de pépites d'or. Dans tous les cas, ça va être une ou deux maximum par filet et encore c'est assez rare. Alors, surprise, qu'est-ce qu'on va avoir? Aucune pépite d'or. Par contre, on a un doublon. Et justement, on va arriver au doublon sur Shipwrecked pour récupérer de l'or. C'est tout simplement le craft qui va nécessiter 3 doublons pour faire une pépite d'or. Alors là, c'est le plus rentable que j'ai trouvé sur Shipwrecked pour faire des pépites d'or. C'est d'utiliser 3 doublons et de tout simplement tuer le Quakem qui permettra de récupérer un sac à dos, celui-ci. Une fois équipé, ce sac en fait fera tomber une pièce d'or, donc un doublon, par terre, tout simplement, tous les jours. Donc c'est plutôt intéressant comme... C'est comme ça en fait que vous allez pouvoir récupérer énormément de doublons. Voilà. Une autre façon de récupérer des pépites d'or, c'est la machine à sous. Justement, en parlant de doublons, c'est avec ces doublons que vous allez pouvoir activer la machine à sous. Et ainsi espérer un jackpot de type or, par exemple. Et voilà, bah c'est la grosse chance. Premier jet, je récupère 3 pépites d'or. Ce qui correspond techniquement à 9 doublons. Bon, ça c'est relativement rare. Hein. Là, j'ai vraiment eu de la chance, je sais pas comment. Mais voilà. Donc là, vous allez récupérer de l'or. C'est plus rare normalement. Hein. Voilà, voilà. Il y a encore les valises en pleine mer où vous pouvez récupérer quelques pépites, je crois. Et c'est tout. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'éviter de crafter les outils en or. De favoriser plutôt les outils en silex. Voilà, voilà. Je vous laisse sur ça. Allez, salut, salut pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. C'est simple, gratuit. Bon, certes, je suis rarement là, mais c'est pas grave. Salut.